Bonjour, alors des vacances au soleil de Dieu, enfin des vacances, c'est plutôt un été au soleil de Dieu. À la bonne nouvelle, le soleil il va briller quand je vais voir des enfants là du quartier de Bagatelle qui vont pouvoir partir en camp de scout avec un mouvement qui s'appelle Fraternéo et qui, pour la deuxième année, prendre des enfants de quartier défavorisés vers Tours avec d'autres enfants de Paris. Je suis très heureuse que des jeunes professionnels et des étudiants puissent s'engager auprès des jeunes des quartiers. Cette année, il y a une première, il y aura la tranche ado qui va s'ouvrir. C'était super, voilà, quelque chose de nouveau qui se crée. Il va aussi y avoir un camp d'ado à Lourdes qui va se créer aussi pour des ados de quartiers défavorisés et avec là une dimension plus de foi. Ça, c'est une première aussi et on va se mettre dans les pas de Bernadette et de Marie à Lourdes. Le soleil, il brille aussi quand il y a des initiatives qui se font. Avec l'été, les vacances, il y a malheureusement beaucoup de familles qui se retrouvent à la rue. La fin de la pandémie marque le début des expulsion. Et je suis très heureuse quand il y a des initiatives comme Ferme Habitat Solidaire qui peuvent accueillir des familles roms ou quand des familles accueillent d'autres familles qui se retrouvent à la rue et se serrent un peu chez eux. Donc ça, on peut dire que le soleil y brille beaucoup à ce moment-là. Il va aussi y avoir ici sur Bagatelle des jeunes la semaine prochaine qui vont donner 5 jours de leur temps à faire des animations dans le quartier pour les enfants qui sont un peu désœuvrés. Voilà. Et les sœurs, ben nous aussi, on va prendre un petit peu de temps entre nous, à revoir un petit peu toute cette année comment ça s'est passé et à se retrouver aussi en famille, vivre un temps de retraite, vivre un temps de discernement et pour reprendre le souffle, se préparer pour l'année prochaine. Alors voilà, le soleil va bien briller, mais je crois qu'il va y avoir pas mal d'occupations. Il y en aura même pour le début de l'année aussi. Voilà, le soleil va continuer de briller toute l'année.